Je suis très content parce que Nalingaro Zwanga, Nalingaro Balancenga. Parce que faire l'émission avec moi, si tu n'as pas l'intelligence que vous avez, la grâce que vous avez, que je reconnais personnellement, c'est pas facile. Je me prépare quand je viens chez vous, mais d'autres fois je ne me prépare pas. Nani abandisa makambuya liwa. Nous avons la logique naïe. Et on a zolo baki. Akoko koufane avant ma parent. Azarti. Et ça n'a pas secret pour mouta ou mais. Et si tu fais ces secrets là, tu vas dire. Qu'est-ce qui se passe? Toya ya koufa et ya ka beaucoup plus na fin d'année. C'est pendant la fête que beaucoup de gens sont livrés. Ba film est au revoir na le vin na boutou. Ti 5 ans on attend là parce que ba film est si que zo bimaka ko bima. Le diable veut distraire. Ya robi belobi. Soyez prudents comme le serpent. Le mystère de la mort, pourquoi lorsque Moutakoufi, séparation, wana, et Zalaba pasteur, et touche à Ramoutounioso, Batoubao le la peau, Moutakoufi. Bal le la yote parce que Ozarana famille. Bal le la yote parce que Toye Bani. Mais Misala. Bal le la pour la Misala. Ne t'habite à Balela Kaj. Donc on peut pleurer par les œuvres. Voilà sur la terre, on ne meurt jamais si tu n'as pas marqué le cœur des gens. Bah, l'autre pour la mawaka. Si. Ah, toi, l'élé mawa. Toi, yébana. Azan de quoi famille, azan membre à quartier. Azan pe congolais. Insistez un peu, l'homme de Dieu, s'il vous plaît. C'est très sage. La ville, même lorsque notre, le défunt président, qui c'est. Kabila le père. Kabila le père, tout le monde l'a compris. Nous avons vu des femmes, margères, pleurer par nous avons vu des tchèques pleurer en profondeur. La polygamie n'est pas chrétienne. Mais n'est pas un péché. Non, mais pardon. Dès lors qu'à Koufi, Maman Tiffany, il y a sa porte dans l'autre, à Kaika, toi, il y a tout ça à Bolingo. Vivre film et pornographie. C'est-à-dire, avec sa femme et son mari, il n'est pas excité. Donc, pour l'exciter, il faut utiliser film et pornographie. Ça se passe dans beaucoup de foyers. Le pornographique appelle le divorce et appelle les femmes et les maris de nuit dans les couples. Tatouage aussi ouvre des portes des impacts. Des maris et des femmes de nuit. Vous avez expérimenté tout cela? Oh. Oui. L'esprit pense à lapin. Oui. L'esprit de l'incarnation et Salinini. Jup moi zo le cas. Maman moka benga lobi nae, mais na monu ndongo tiki wana na pesho mote na biso deux fois yokite. Abi mote na bino, abi oui mote na na pesho de code dans sous deux fois yokite. Abi non. Nzo ka ngota bi non, maman na kiti na je bien. Bien climé. Abine, mais maman, comment vous avez tatouage Oyo, sinon vous avez un mot de bichoté. Azamwana motote, boa kosangai. Abangwani pete, boa wangata. Zambé à le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Nous avons un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette émission Table Sainte qui rassemble les hommes de Dieu autour des sujets importants, c'est très capital. La princesse, l'humble servant de Dieu vous dit shalom, bonjour et bonsoir chez vous, peuple et amoureux de Jésus-Christ. Soyez le bienvenu chez vous au sein de les Nazaréens. Bien-aimés dans les Seigneurs, je nous signale que Jésus revient bientôt. Alors préparons-nous à la rencontre de l'époux. Avant toute chose, comme à l'accoutumier, je demande à la régie de nous balancer un cantique pour la gloire de notre roi, le Seigneur des Seigneurs Jésus-Christ de Nazareth, qui est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Alain Kiakala, derrière la caméra, Yves Bolofa. Et j'irai ce mot quoi. Balancez-nous cet élément pour le plaisir de nos téléspectateurs et pour la gloire de notre roi, le Seigneur Jésus-Christ. Régie, à vous. Non, il y a ma kiti, il y a ma messa. Ah, Atania ou Kondoko. Namonayo. Nachayo na mwamba. La minute on a 4 à Bena Katika, t'as 5 à vous. Oui, allô, est-ce que tu es bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler, t'es mes colos. Donc, dès que tu as un épisode, galère à niveau 0.
tout ça là boy moi il n'a pas vraiment mingité mais nazo chez la bino moi mon kio nazo nango l'agence mon boy Nazareta Nazareta c'est du sérieux oh maman comment des bongo dans yout pèse au footy mongo qu'on a parti à Porto biso toi à toi bino na bengi à Scotty agence moi il faut mami comme mon Nazareta na kufie agence les sousou nous que ça sous moulongo kuna Hey, maman Nazareta, Nzamba Pambola, ya ba tse mikole bele, awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa, poto yeba, adresa awa. La boutique Nazareta, eza esika ya kubunga te, toza sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent, d'accord. Déjà, vous en avez un, on a trois numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta! Nous allons la combo ici. Julia, nous allons la gangue ici à Foufou. Eh, Yamode, vous m'avez dit qu'on a Foufou. Oui, pour la Nazareta, nous allons assister à Mbimbi, dans le Bongo Shingon. Bon, ok. Vous allez si bien. Ça, c'est du sérieux. Des retours sur ces plateaux avec mon invité spécial, à la personne de l'apôtre Ndano, hein, Moutoualo Belaka, le royaume du songe, le mystère de la mort, Mama Kambo, quand il y a la casse spiritualité. Mais aujourd'hui, pour aux Olympiques, large, parce qu'il y a tant de questions, Oizo Memapso, toi atterrir hein, naba makamu susu. Bien aimé dans le Seigneur, c'est cantique a fait plaisir énorme à c'est lui qu'on appelle Papa Guy et Maman Lauriane là-bas là depuis l'Afrique du Sud, Maman Louise. Ba mbote belé na Marlène Bouy. Na yo le sako na nekab ma sœur de chaque jour de chaque instant. Maman Betty Kokelea, ba big salutation à Maman Fourata Bouna Papa Kaïs. Alors je disais au départ que je suis avec l'homme de Dieu l'apôtre Ndano. Je dis Shalom. Shalom, Maman Tiffany. Bonne santé. Grâce et faveur nous sont toujours accordées. Ils ont mon l'homme de Dieu. Nous disons que la vie est une grâce. Comme on l'a toujours dit, que quand il y a un commencement, c'est qu'il y a une fin. Okay. Dieu ne peut pas commencer à créer s'il n'a pas une fin. S'il y a un commencement, c'est qu'il y a une fin. Le fin de toute chose nous a été donné. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce que Christ à la croix a mis fin à toutes choses. Ok, Christ à la croix a mis fin à toutes choses. Mais toujours le même comme un mystère de la mort, mais il y a une question. Nani a bandi sa makambu ya liwa? Parce que beaucoup plus, il y a dans. Nde makambu liwa, est-il vrai que la mort a commencé chez Adam? Liwa et Jo Banda. Et pas il y a Adam, parce que Adam a été le premier martyr. Mais la première mort a été constatée par Caïn. Je suis en train de parler que le deuxième Adam, qui est Christ, nous a inauguré la vraie tunnel de la mort du Sali. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, je vous écoute. Cette allusion
nous parle du Caïn. Micro, s'il vous plaît. De la mort du Caïn dans l'errance. Donc, on ne peut bien comprendre la mort, le mystère de la mort, si on comprend deux morts, le mort de Caïn et le mort d'Abel. Si la mort a commencé par Abel, le véritable Abel est venu avec le chemin de la vie, de la mort. Et il y a aussi un mort qui a été constaté dans le jardin d'Éden, le mort de l'errance, qui est Caïn. Ok, merci. J'ai aimé lorsque vous aviez dit que on a pu constater que le premier mort, c'est Abel. C'est ce que vous aviez dit. Oui. Mais j'aimerais dire aujourd'hui, actuellement, si nous regardons très bien, et Bela Batou, Balingate, Bana Bakunda ba parents. Et comment kaké? Mais pourquoi ba parents ba tikala ba ba jeune ba koufé belé? Pourquoi il faut que le vieil ba ngonde ba sani ba koufaka ba bana ba sanini ba yakako okunda bango? Mais dans la Bible, dans Genèse, c'est Abel qui est commencé. Papa na tikala ki. Est-ce que conception on a vous trouvé ça normal et que faut moi nanda koufali boso ba parents? Les wa ya Abel Ezra qu'au sauver humanité na malédiction recoufa avant. Donc un jeune a recoufa avant selon qu'il est écrit que l'homme jouissera de ce jour. Donc mutufu abika mikolo na sena moy. D'abord, c'est le premier élément du salut. Parce que la Bible dit si tu crains l'Éternel ton Dieu, il te donnera la longévité. Donc Christ étant mort jeune, c'est pour que maintenant nous soyons aussi à un niveau d'âge, afin de mourir. Et sengo, il y a production, il y a foyer, ou bien famille, c'est de voir le jeune enterrer les vieux. Donc, nous avons dit que l'Iwa et Christ est longé la bichon malédiction. C'est-à-dire qu'au coup, avant, il y a une malédiction. C'est-à-dire, bah, tata, il ne faut pas qu'on n'aille pas à Bana. Dans la logique de Dieu, Dieu ne veut pas que nous mourons jeunes. Non, j'aimerais, il y a la mort de jeunes, il y a aussi la mort avant le parent. Moi, je parle avant le parent. Mm. Est-ce qu'un jeune, moi, n'a pas fait le bousser à parent? Nous avons la logique, on a fait avant les parents. Mais la volonté de Dieu est que les enfants puissent enterrer. Nous avons vu ça dans la Bible. Mais, Jean-Baptiste, a koufi avant ba parents naé. Jean-Baptiste a koufi avant ba parents naé. Nazolo bilé. Yesu a koufi avant ba parents naé. Ezali ba donné ya mission. Ce qui montre parce que le véritable Jean-Baptiste a une véritable mission, il devait mourir avant Christ pour sauver et inaugurer les deuxième alliances. Lui qui était un véritable pédagogue. Donc dans les données prophétiques, Dieu dans ses logiques, il peut permettre la mort d'un jeune pour sauver toute une nation. Mais en réalité, dans la logique de Dieu, dans les temps de sa promesse, c'est ce que nous sommes en train de prêcher. Mais est-ce que selon statistiques, il y a Bibli, dans le temps actuel, est-ce que jeune, est-ce que vous constatez que jeune va couper mingi dans le temps d'Abisso? Que par rapport à la Bible, c'est tout à fait normal. Mais si tu as une époque, moi, tout y a par rapport à la jeune et Zakim, qui est le col Zakim. Mais actuellement, qu'est-ce qui se passe au comique? Tout y a la jeune et Zé Bélé, il y a beaucoup de qui y a le vieux. Vous savez, lorsque on perd le secret de la longévité, c'est-à-dire secret à longévité Zalaka. C'est quoi? C'est l'obéissance à tes parents, ton père et ta mère. C'est ça le secret de la longévité. Honore ton père et ta mère. Le respect à longévité Zalaka, instruction. Celui qui vient avec l'instruction, c'est le père. Et celui qui vient avec l'enseignement, c'est la maman. Maman dit, à quoi répéter les yo papa dans le bas qui est au bazon garaté. Mais il prend ça l'instruction vers le père. Or, le véritable père, c'est la parole. Micro, s'il plaît. Le véritable père, c'est la parole. La véritable mère, c'est l'église. Donc, je vous explique que hors de l'instruction, il y a secret à longévité, le lot, tout le monde vivre la réalité. C'est ce qui fait très mal de voir un jeune
akum na age moko boy non na mukolo te akufi. C'est par rapport au manque de secret de la longévité, parce que dans la vie pour vivre il y a un secret. Pour en vivre la mukile les a azarté. Et en a bas secret pour monta ou mais si tu fais ces secrets là, tu vas dire. Dans les belles. La mort est précédée par rapport au manque de secret et de l'instruction et du respect de ces secrets-là. C'est parce que nous avons respecté. Je parlais de l'instruction du père. Je parlais du respect de l'enseignement des mamans. Le père qui est Dieu, la maman qui est l'église. La véritable secret pour vivre dans la vie pour son âge de la mort, parce que vous devez comprendre que le « ouais » moutou est un destin en Zambie. Pour mon tout cas, quand tu as destin, il doit respecter ce qu'on dit, la crainte de Dieu. Car la Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La sagesse, c'est l'instruction. La sagesse, c'est l'enseignement. Pour le pratiquer, il faut respecter ces choses. C'est ça le secret de vivre sur la terre. Et si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, tu vivras la longévité. La longévité dans tous les domaines. Tout le monde a besoin de la classe, aussi sa classe. Ce manque de la bénédiction. Tout le monde a besoin de la commerce, c'est quoi? Un jeune frère Mobo, il y a 20, 30 ans, couvi, ce manque de l'instruction. C'est, l'église a ce rôle-là de ramener ces jeunes de Yaoukounda. Parce que, vous remarquez, Job, Jacob et Joseph, ils couvent en Égypte. Azoué Bissabanabi, le jour que je vais mourir, Dieu vous visitera. Ramenez mes os vers le pays de la promesse. C'est que Joseph, ils couvent en la promesse que Banaba Okounda yé. Ah, c'est ça ce qu'on dit, la bénédiction de la longévité. Ou la bénédiction de la progéniture. Parlons un peu à Baloua ou à fin de l'année, parce que vous êtes homme de Dieu, vous le savez, lorsque nous entendons déjà vers la fin de l'année, tout le monde a déjà la peur, sauf moi. Moutinon, c'est toi, Zoubangaka, qui est fin de l'année, Awa Waliwa, et beaucoup plus, parce que nous avons utilisé comme point faible pour nous, nous avons dit, venez vaincre la mort, venez participer à la fin de l'année. Qu'est-ce qui se passe, Toya? Il y a Koufa et il y a beaucoup plus na fin d'année. C'est ça le malheur de la fête. Ah bon? C'est-à-dire? C'est pendant la fête que beaucoup de gens sont livrés. Vous savez, à chaque fois, l'homme se livre dans la. Moutaw se plaît, Azokotana et Sengo, il prend le temps de distraction. Et Moutoula Azokotana atteint une distraction. En réalité, azo perd de temps en consécration. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que yo azo atteint que l'exa na ba film, tu t'es distrait. Na souka ya sanza, quand tout le monde veut se livrer à la fête, quand tout le monde veut se livrer à la jouissance, c'est cette distraction qui ramène beaucoup de gens à la mort. Maman, les autres distractions commis plus dans ma téléphone. Ok. Le diable travaille. Les enfants de Dieu se distraient. Ba film est au revoir dans le vin na boutou ti 5 ans on attend là parce que ba film est sigé zo bimaka ko bima avec des pratiques et des pratiques et na kata mboka na bisho to zo mona peka ba pratique na ba pratique bloke zo bima na ko bima parce que les gens veulent être des le diable veut distraire yorobi belobi soyez prudent comme le serpent et simple comme la colombe, c'est-à-dire un colombe c'est celui qui ne s'adapte pas au siècle présent et il est prudent à tout mouvement. Parce qu'en peu de temps, en peu d'une semaine, on peut te récupérer la vie. Sacrifice. Parce que faut pas longo là, âge n'est toujours le bah il y a gêne pour montement et ça ou menaie mboula sika azwa sou mikole belé. Et le monde des transferts. On récupère la vie de ceux qui ont encore la vie. Micro s'il vous plaît. De ceux qui ont encore la vie pour donner à ceux qui n'ont pas encore la vie. Et lui ouais souka sanza et zaka constaté minga ba leader la famille. Ba premier. Oui. Ba leader. Lorsque vous parlez de leader, c'est-à-dire? Des leaders de gens qui ont encore la responsabilité à famille. Au moins la moto a la responsabilité. C'est-à-dire il peut avoir des moyens. De gens qui conduisent la famille avec intelligence. Bato ba c'est important. Les hommes ne touchent pas n'importe qui. Dans souka sanza ming et zaka bato ba ba destiné. Bato ba zana lobby. À nous, ils réservé pour nous. Comment il peut mourir comme ça? Nous sommes contre de mort prématurée. Et nous défendons dans le nom de Jésus de mort subite. Parce que nous sommes sur la terre, nous avons été des vainqueurs. Nous avons eu 1000 possibilités à cause de la mort. Parce qu'il y avait 1000 semences au Bandeau.
Nengo bimi oza leader, tu es un champion oza nanga. De sur la terre, tu ne peux perdre ta vie en aucun cas si tu as Jésus-Christ et tu suis les préceptes de la bonne instruction de l'évangile et tu crains le Seigneur. Tu dois atteindre ton âge, voir tes enfants, voir les arrières de tes enfants. Parce que la promesse est dite au Romain, la première génération, deuxième génération et jusqu'à la troisième génération. Voire même quatrième. Hein. Même quatrième génération. Voilà l'évangile que nous prêchons. Nous ne voulons pas les morts subites. Et lorsque nous parlons des mystères de mon maman, c'est pour révéler que le Seigneur Jésus-Christ qui a vaincu la mort, qui a réussi la puissance de la vie, il les donne maintenant aux chrétiens. Ok, apôtre Torokene, tout wana mystère de la mort d'une manière spirituelle. Voilà, tout le belango, mais tu quand on t'a touché aux isa pratique, et pas ban nzambo oyo et les sabso. Le mystère de la mort, pourquoi lorsque on t'a koufi séparation wana et ça la ba pasteur et touche à mutu nyoso, ba tu ba le la peau. Mutu akufi akeyi. Ezalaka exactement nini. Et l'onye le kakawana na mystère de la mort. Ke mouta koufi. Oko a pasteur a koufi na ebike. To kouta anaye un jour. Nenga kei to omo nana. Mais pourquoi les gens pleurent? Pour li keza to omo nana. Si Christ l'a fait, nous pouvons le faire. Si vous tombez là, je vais encore avancer. Pourquoi Christ a pleuré? Oui. Si Christ a pleuré parce que Lazare était un ami. Devait savoir. Moutouna chanté de Dena l'amour qui a coûté moi si. Abi, waouh, cette fois-ci, la chair de ma chair et l'os de ma chair. L'homme a la faculté d'aimer ce qui est meilleur. Quand quelqu'un a de bons souvenirs encore sur lui, la chair, l'âme, ne peut pas retenir ses bonnes œuvres. Voilà pourquoi sur la terre, bal les laïotes parce que aux arana famille. Bal les laïotes parce que tu es banni. Même Isala. Bal les laïotes pour Isala. Donc on peut pleurer par les œuvres. Voilà sur la terre, on ne meurt jamais si on n'a pas marqué le cœur des gens. Bah, l'élo te pour na mawa ka. Si. Ah to lele mawa. To yebana. Aza nde kwa famille, aza membre quartier. Aza pe congolais. Insistez un peu l'homme de Dieu s'il vous plaît. C'est très sage. Non, il y a ba kiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondo ko. Na mona yo. Chayo na mwamba. La minute on a 4 à Benda Katika Tassaga pour vous. Oui, allo Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau, on a travaillé tes micro. Donc, dès que ça, on a une galère à niveau zéro. Tout ça, là, oui. Moi, il y a un bon moment, mais dans ce cas, il y a un bon moment, une agence, mon robot, Nazareth. Sarita, tu dis sérieux? Oh. Maman, comment est-ce que tu as fait ça? Tu as fait ça pour partir à Porto, tu as fait ça pour toi. Je suis à Scotty. L'agence est fondée comme mon nom Nazaré. Na confié. Agence les sous-sous. Je suis à Scotty. Eh hey, maman Nazareth, Nzamba Pambola ya bakse mikole bele awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse à awa. La boutique Nazareth a été située à Kubunga te, toza sir avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent, d'accord. Déjà, vous en avez un, on a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suède. Ah! Non.
Nazareta. Nzala na kongo esili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya mode, yo bandika na fufu. Oui, pona Nazareta. Tona sistema mbimbi na mbongo wa shingongo. Bon, ok. Nzale silio. Ça, c'est du sérieux. À ça, congolais, tout l'est quand même parce que tu n'as pas vraiment d'importance. Et ce genre de pleurs, je pense que élit moi facilement. Oui, je vis des hommes au bakoufi, mais on est tata moukola laine à ça, ils pleurent d'un profond. Vous sentez que mon toit est là parce que celui-là, il était aussi important. Il a marqué, il a fait les œuvres. Voilà des mots que nous voulons. Non, il ne peut pas partir. On a vu même lorsque notre le défunt président qui s'est Kabila le père. Kabila le père, tout le monde l'a compris. Nous avons vu des femmes, marger, pleurer par nous avons vu des tchèques pleurer à profondeur. On sentait l'avenir. On sentait le Congo changer. Okay. On voyait le futur du Congo en cet homme-là. Wow. Batwa exprimer la vraie voix. Voilà des mots que nous voulons. Des mots qui nous poussera à pleurer. Parce que celui qui te parle le jour que je vais mourir, tu parleras, cet homme parlera bien. Il parle bien, il a la grâce, il a l'intelligence. Que les œuvres nous poursuivent, Bible Lobby, que les œuvres nous poursuivent jusqu'à notre dernière. Waouh, ça j'ai aimé. En tout cas, ici, là, vous m'aviez vraiment totalement convaincu. Donc, tu m'as eu, quoi. Je suis très content parce que. Gloire à l'agneau. Nalingaro Zwanga, Nalingaro Balancenga. Parce que faire l'émission avec moi. Si tu n'as pas l'intelligence que vous avez, la grâce que vous avez, que je reconnais personnellement, ce n'est pas facile. Je me prépare quand je viens chez vous, mais d'autres fois, je ne prépare pas. Gloire soit rendue à notre roi. Mais apôtre, nalina tuna onanu, tout côté na tout tika nanu, tout yana na mystère de l'ange. Toujours tout collé en gros, na mystère de la mort. Pourquoi lorsque l'homme na ndoto na ye, en l'autre, a koufi, bah kundaye mais à se réveiller à zanaye ou bien olo tabakundi ma télé mais otanzo tonaye a olela ki bake kundé mais akufita lamuki mais muntu mususu a loti ba kundaye akufia se retrouver na na morgue soit dans coma et problème comme non a moneka ki na kufini na lala ki na munta na kei tout d'un coup mais qu'est-ce qui s'est passé différent ça na oyo à l'amouki, et ça qui n'a aucun doto. Mais au kuna, à koufi retrouver, pe yana sa pongi à l'autre qui va au koufa et memi à ke. Liwa moutazo l'autre à koufi à solo. N'a liwa mouta koufi, mais à l'amouki. À l'amouki à se sauver, c'est ça. Donc, n'joto kaka. À l'aller à l'autre à koufi. Bah, à mon appena n'joto na télé mbakundiye. Mais à l'amouki na moto, à l'amouki n'a aïe, ça qui n'a aucun doto. Mais Moussou Souka, même réaction à l'Ali Akoufi. Il s'est retrouvé que tu vois, l'air, lorsque Akina, par exemple, na koma, à l'école na koma, mais lorsque Zongi na bomoto, né après, l'Amsousou, trois mois après, tout une main, qu'est-ce qui s'est passé na koma qui a mené, maintenant, comment on a qu'il y a Zaki na Ndoto, Moukola Souka, on a l'Alaki, na mouna qui a Zandoto na Koufi, Bao Kundangai, Nde, celle qui va full full pebi, mais même qui a. Il y a deux choses sur ça. Okay. Je vous ai, dans le bas, toujours sur les esprits surveillants. Dans le bas, toujours sur l'esprit surveillant par rapport à l'œuvre. Parce que, faut que l'œuvre est dans la capé prophétique dans les Kambotozo Sala. Parce que, tout ce qui est là, il y a l'œuvre avant la mort. Au monde, on a tout monsieur soit couffant la famille à ça là et l'autre côté. C'est-à-dire au couffant la famille, on sait l'autre bah on l'est là haute. Donc parlant d'azo qui nous explique que les esprits surveillants, ils en a quatre il y a domaine et cette domaine là c'est une domaine de miséricorde. Monsieur monsieur soit côté dans quatre il y a tel lui ouais vina yété. On appelle ça l'équité des esprits surveillants. Mutoyer à la moussio na liwa. C'est-à-dire, tu veux revenir à la vie. Tu sais que c'est passé aussi avec, avec le Seigneur. Lui-même, étant vit sa mort, il frémissant en nouveau en lui-même, s'essuyait, se transformant en grand mot de sang. Il connaissait ce qui s'est passé. Mais un esprit lui a réveillé encore des morts après trois jours. C'est-à-dire, tu as l'obéla que,
Et ce qui se passe, c'est quoi? Nous avons dit que 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 nous avons ressuscité le troisième jour, nous a ramené le corps de la gloire. Et cet corps de la gloire, nous le vivons dans le temps où nous sommes plus sur la terre. Nous sommes... C'est ça la puissance de l'évangile. Automatiquement, si on a bon, tout le monde va te manger bon. Nous sommes là. Et ça, comme il raconte un homme. Ok. Automatiquement, dans le sang, il y a un témoignage. Et il y a un ministère puissant. Dans le sang, c'est quoi bon? Dans le sang, dans le sang, vie. La puissance de la résurrection est plus que la puissance de la vie. Dieu, une fois, nous fait goûter ce qui est à l'intérieur des ténèbres ou les surfaces de la terre. Il fait goûter à nos enfants, il fait goûter à nous les chrétiens. Est-ce qu'automatiquement, ce que nous faisons, c'est l'OTAN? Si, ça, automatiquement, non. Il y a des morts, il y a l'autre qui t'a couffé, bon. Ils ont besoin de nous, nous avons besoin de nous, les élus. Alors qu'on fait nous avons besoin de nous, comment je t'aime? Plus c'est l'amour de Dieu. Nous avons besoin de nous, nous avons besoin de nous. T'as l'air venu, nous avons besoin de nous. T'as l'air venu, nous avons besoin de nous. Pour affirmer, nous avons besoin de nous, Paul. Le Seigneur dit, Paul, les jours que tu seras fermé, tu affermiras les autres. Tu sais quand? C'est lorsque Paul a négligé les apôtres, Christ l'avait laissé, a négligé les apôtres, il pêche. Le jour que tu seras fermé, il a fallu à ça après qu'on ait un disciple, au Christ, à ce qu'il a dit, à ce qu'il a dit, à ce qu'il a dit, le Christ a dit, même tu. Et le jour que tu seras fermé, tu affermiras les autres. C'était le problème de l'affermissement. Nous avons mis micro-ébité. Nous avons le bas-ébité sur les années. Nous avons mis le bas-ébité. Nous avons mis le bas-ébité. Nous avons mis pourquoi? Nous avons na tongo azaka ko kufa na tongo la muki, c'est ce que sont en train de dire. Nous avons na buto kufa ka na tongo abinsaka sola ko polo na munoko. Nous avons la kufa. C'est la mort. Pour comprendre, il faut comprendre le mystère de la mort. Le mystère de la mort pour comprendre, il faut tourner à Madesu. Madesu soko tourner à expliquer que le mystère de la mort est là. Soko tango misapi na tongo polara. Pe oko remarquer que na tongo réellement pour même mutu soko tourner à expliquer que na tongo na déjà au pola. Munoko na déjà au pola. Donc, c'est l'amour. Il y a un habitude. Sur l'amour qui est c'est une grâce. Et le Seigneur a renouvelé l'amour. Le mystère de l'amour, de la mort, lorsque tu es sauvé de la mort, le Seigneur renouvelle son amour sur toi. L'amour de Dieu qui est infini, qui est plus que la mort des hommes, qui est plus que la mort des démons, qui est plus que la mort d'Occultus, qui est plus que la volonté de jalousie des hommes. L'amour de Dieu surpasse toute l'intelligence des hommes. Il y a Katosaka Nawana, la mort, puis mystère royaume royaume de mort, et puis mystère, il y a songe. Mais par rapport, il y a conjoint. Par rapport, il y a balani, ou bakoutani. Pourquoi non, il y a naibi, pourquoi la place nazo memayo, par rapport, il y a choix, il y a conjoint. Et tout le monde a l'élo que, pourquoi, même pas aujourd'hui, tout ce qu'il y a trop dans la veuve, Ba veuve. Ba koko na biso a mibali ba kufa trop ba tika ba koko na biso ba même le lo mona ba papa ba kufa belé ba tika ba maman. Et si kawana ezala kanine, est-ce que ezala ba choix ezala ma bé to e bandele makamba bolingo to ba réalité ezala kana makamba bolingo nde ezala ma bé. Ba mort ya ba mibali ezala mingi parce que les hommes sont de bosseurs. Oh. Les hommes sont des leaders. Les hommes ils trouvent une grande charge. Les hommes en dirent de combats où peut-être la femme n'en dire pas. Ils subissent trop de coups. Mais le problème, il y a ba kofi mingi nakati ya ba couple. Et ba couple les hommes mingi problème il y a choix. Oh. Oui. C'est-à-dire parce que Dieu a tout fait. Il a tout interdit à l'homme. Il a laissé à l'homme seulement une seule chose. C'est le choix. Je mis devant toi la vie et la mort. Et la mort. C'est à toi de choisir.
quand on choisit mal son conjoint, tu as l'esprit des morts, tu as les tensions, tu as les perturbations. Même si tu as un beau lit, tu auras des mauvais rêves. Même si tu as un congélateur plein, tu n'auras pas la santé parce que tu as très mal choisi ton conjoint. La vie est faite du choix. D'un mauvais choix, c'est la mort. C'est la mort. Au coup avant, pourquoi vous avez mobilité? Au coup avant, pourquoi vous avez moins? C'était parce que tu as mal choisi. C'est quoi? Pesa bateau, basa le na bango, kosa basi mi balé, mi psa tout bien pour aso kasa qui choix bien tesa na mo konaï. So qui? Abali ami balé naï. Non, non, nous sommes le monogamie. Nous sommes pas les polygamies. La polygamie n'est pas chrétienne, mais n'est pas un péché. Non, mais pardon? La polygamie n'est pas chrétienne, mais c'est pas un péché. C'est-à-dire? Il n'y a pas une loi qui interdit la polygamie. Il n'y a pas une écriture qui interdit la polygamie. Mais cela n'est pas chrétienne. Cela n'est pas prêché pour un chrétien d'avoir deux femmes. Par rapport aux conséquences de la polygamie. Ne faites pas parler la Bible, c'est que la Bible n'a pas parlé. Ça, c'est un peu quelque immaturité de beaucoup de pasteurs. La polygamie n'est pas péché, non. La polygamie n'est pas un péché parce qu'il n'y a pas une critique. Mais n'est pas chrétienne, n'est pas bonne. Nous avons vu le méfait de la polygamie. Les enfants dans la rue. Nous condamnons la polygamie. Mais ne faites pas parler la Bible, c'est que la Bible n'a pas parlé. Donc nous disons que nous ne sommes pas polygames. Par là, vous donnez à l'homme de Dieu, je ne sais pas si son nom, c'est l'apôtre Casse, le pasteur. Lui, il est dans la polygamie. Oui, dans la polygamie. La polygamie n'est pas bien. Il n'a pas péché. Ce n'est pas un péché, mais il n'est pas bien, ce n'est pas chrétien. Tout ce qui n'est pas chrétien, c'est immoral. Vous dites quelque chose et son contraire. Non, non. Le péché, c'est quoi, maman? Le péché, c'est la transgression de la loi. Quand je n'ai pas transgressé la loi, je n'ai pas péché. Mais lorsque la Bible nous dit, par rapport à Mouto, Balingibabko, Misaye, évêque. Qui est dans le christianisme. Il ne peut pas avoir de femme. Il ne peut pas avoir de femme. Là, vous êtes dans le christianisme. C'est une charge ecclésiastique. Mais c'est la parole a dit. Là, il ne peut pas avoir deux femmes. Mais c'est ça. C'est comme si toi, la tendance, Wanake. Si vous voulez parler de Paul, Bozoka, oh, Paul a Bambi, il y a bien. Mais lorsque Koma n'est pas la Bino, c'est comme si vous refusez ce que Paul a dit. Non, non, je refuse de rien. J'ai dit tout ce qui est ecclésiastique. Mais lorsque Paul a parlé des choses par rapport à la femme, vous généralisez à Kayango. Vous prenez ça d'une manière générale. Je n'ai pas dit vous. Ou bien toi, mon apôtre, mais je parle d'une manière générale. Mais je suis contre la polygamie. Vous êtes contre la polygamie. J'ai dit que la polygamie, mon péché. Non, parce que vous aviez dit que ce n'est pas dans la Bible, ne fait pas parler ce que la Bible. Il n'y a pas une loi qui interdit la polygamie. Il n'y a pas une écriture qui interdit la polygamie. Est-ce que celui qui vous parle, c'est celui qui respecte les bornes? C'est l'apôtre. Laissé par les apôtres. Oui. Mais ce n'est pas chrétien. Parce que celui qui vous parle, ce n'est pas un bébé. C'est un vieux. Donc je dois parler, c'est comment laisser comme héritage. C'est-à-dire qu'un évêque ne peut pas, un pasteur. Non, jamais. Un homme ne peut pas avoir. Non, non, deux femmes, non. C'est pas chrétien. Tout ce qui est chrétien, c'est tout ce qui a une bonne moralité. La foi, la croyance en Dieu, l'enlèvement, le Saint-Esprit, les positions de main et le jugement dernier. Le site doctrine de la foi. Bon, parlons un peu sur Ozobo et Anet, par exemple. Celui-moi, ça, même son bon, au sein de ma famille. Celui-moi, ça, même mon étin à l'Iwa. N'en ou tu goloba. Ozui, moi, c'est ma bé. Ozui, nini. Donc, ça, le choix. Ton mobile à ma bé. Ton moi, c'est ma bé. Son seul choix, ma bé, c'est au seul choix à l'Iwa. Et viens, mon bimba. Alors, toqué sur Koyo, parfois. Il faut bien choisir, maman. Oui, oui, oui. Parfois, apporte Ozobo et Angopona, ou et ça, au balia, au kepes, coupé, sans bon goût. Maintenant, où est Aliké? Ozana moi standa au moins que et comme même sous tension autant que liwa mbeti que comme pembe na yo mais tu as une femme en dehors au balito engagé na yo mais vous vivez maman et ça quand mi bali pe déjà ba maman mousou pena moni que ça ne va pas toquer un exemple à maman mousou bona liban ça ne va pas à l'est il n'est pas permis d'avoir un autre homme
comme l'homme n'est pas permis d'avoir une autre femme. Ce n'est pas Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas s'engager si l'autre n'est pas encore mort. C'est ce qui est écrit. Et ceux qui divorcent, vous acceptez? Après le divorce, l'autre doit mourir. Dans ceux qui ont divorcé. Moussou Soufa Koufa. Avant Obal. Si, c'est ce qui s'écrit dans la Bible. Obalaté. Jusqu'à sa mort. Donc deux ans n'a pas Obalaté. Obalaté jusqu'à sa mort. Soufa Koufi. Oui. Osez là. Il doit mourir. Et s'il meurt, c'est-à-dire le premier alliance s'est brisé, c'est alors que tu peux avoir une autre alliance. Parce que c'est la femme qui se lie à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui se lie à la femme. La femme qui porte le nom de la femme, le nom de l'homme. Ce n'est pas. Oui. Mais pourquoi, dans le monde le plus intéressant, il faut Mokwa Koufa. Il faut Mokwa Koufa pour Mokwa se remarier. Oui. Mystère de la mort. Pourquoi il faut Mokwa Koufa Kende? Les premières alliances est brisée. On ne peut pas avoir une autre alliance qui deviendra un péché à Dieu si le premier alliance subsiste encore. Même Dieu lui-même, avant de répudier les premières femmes, il a d'abord brisé les premières alliances. Quelle est la première alliance? C'était le pardon du péché par le sacrifice, par les taureaux. Et la deuxième alliance est venue par le sacrifice d'un seul homme avec le seul sang pour purifier tous les péchés de l'humanité. La deuxième alliance a été inaugurée. Nous disons Alléluia, parce que la deuxième alliance a été toujours meilleure que la première alliance. Dans la vie, il faut savoir choisir. Okay. Si on choisit mal, on détruit son futur. Si on choisit très mal, son futur ne sera pas meilleur. Tu peux avoir des millions, mais si tu n'as pas une bonne femme. Car la Bible dit, tu peux tout recevoir de tes parents, mais avoir une femme pieuse et une femme sage, c'est un don qui vient de Dieu. Vous en avez? Une bonne femme. Oui, une très bonne femme. C'est juste l'ambiance de cette émission. Apôtre Paul. Maman, les gens qui ont beaucoup, qui ont mal choisi, sont dans la rue aujourd'hui. Nous avons vu les conséquences de beaucoup de divorces. La conséquence des enfants. Mais divorcer, ce n'est pas un péché. Hein? Le divorce. Lorsqu'il y a infidélité, c'est alors qu'il y a divorce. Je vais retourner la question juste dans la caméra. Je vais encore pressentir. Je vais faire tout dans l'apôtre. Vous avez un mobile, ou bien le mari est parti, ou bien ta femme est partie, ton épouse, madame, son épouse, a koufi. Mais à l'otaka, parce qu'il y a tellement de balingana, il y a un attachement, un attachement profond, un amour sincère. En tout cas, quand moi, c'est un mobile, le mobile n'est pas de son vivant, bien sûr. Mais dès lors qu'il a koufi, maman Tiffany, il y a sa porte dans l'otaka, il y a un peu tout ça, bolingo. Dans la maman mon aux États-Unis, à Mumbai dans en Afrique, à Bana Mumbai dans les États-Unis bien. Mais il m'a dit papa, je suis prêt à revenir à Lubumbashi pour récupérer mon mari. Je vais laisser les enfants et la femme. Ça c'est la puissance du choix. C'est la puissance de la conviction. L'homme est déjà parti à Koufi. C'est ce qu'ils sont en train de répondre. Les arrières souvenirs de conviction. Et quoi ça mari de nuité? Non. Nous parlons de la force du choix. Lorsqu'il y a mari de nuit, il y a deux choses. Le mari de nuit à Kotaka, premièrement, lorsqu'il y a une porte d'envoûtement sexuel. Moutou Oyobani a commis que Azako s'est livré sexuellement dans l'immoralité. Il y a plusieurs pratiques de sexualité que je n'ai pas le temps de numérer ici. Il y a maintenant une porte. Mais par rapport au choix, au moins, Moutou Moussou Soussa Koufa, pardon, Asa Linga, mais Moutou Manézé quelque part. Il a mal choisi l'autre, mais son vrai cœur est resté quelque part. Mais il se passe aussi dans Katiaba foyer, ça c'est votre question maintenant. Mais ils vivent ce qu'on appelle le mari et les femmes. Ça existe. Il y a des portes qui s'ouvrent ça. Le tatouage sont des signes de femmes et de maris de nuit qui détruisent beaucoup de couples et de foyers. Tatouage. Oui. On va en parler. Oui. Il y a aussi ce qu'on dit le film pornographique. Parce que le problème, c'est que tout le monde, c'est que mari de nuit, pas femme de nuit. Non, tout le monde, place les ouïta. Le couple belé se sanctifiera, car ceux qui vivent un film pornographique,
C'est-à-dire avec sa femme et son mari, il n'est pas excité. Donc, pour être excité, il faut utiliser film pornographique. Ça se passe dans beaucoup de foyers. Le pornographique appelle le divorce et appelle les femmes et les maris de nuit dans les couples. Le tatouage aussi ouvre des portes, des impacts des maris et des femmes de nuit. Vous avez expérimenté tout cela? Oui, parce que j'ai remarqué une femme qui était très bien, mais depuis qu'elle a tatouage, il y a serpent dans le colo, il est devenu vraiment une véritable serpent. Il commence à tromper son mari. J'avais délivré une femme. Moi, si j'ai un tatouage, juste dans le ciment, que j'étais un peu le terme, et ça, là, quand il m'a dit, moi, si j'ai un tatouage, et cet tatouage, c'était un tatouage d'un lapin. Hein? Oui. L'esprit de un lapin. Oui. L'esprit de l'incarnation et Salinini. Dupe moi, je le cas. Maman m'a dit que je n'ai pas de mais je n'ai pas de na je pas de mot, je n'ai pas de mot. Je n'ai pas de mot. De ouverture de la spiritualité. Apôtre Tikato Tosimba wana nambalo ekoya zongi sabiso nano na likambo oyo ya liwa lokato lobela liwa oyo ke mabale belé tu es pasteur mabale belé ekufi ekuta na liwa na même na bandi comme ça za libanda but na objet de mozindo na yango. Les intérêts dans les foyers. Oh. Le sentiment dans les foyers. Ne jugez pas l'homme de ta vie par rapport à ce que tu vois. Car Dieu ne regarde pas les tailles. Dieu ne regarde pas la concurrence. Mais Dieu regarde le cœur. Quand on choisit par la chair, on arrivera par la chair. Voilà pourquoi Paul dit aux Galates, vous avez bien commencé par l'esprit, mais qui vous a ensorcelé pour terminer dans la chair. Quand on choisit par chair, tu vas souffrir toute ta vie. Il y a des hommes qui ont choisi par chair. Une belle femme, oui. On en dit qu'on ne vient pas. Elle doit avoir une belle taille. On en dit qu'on ne vient pas. Mais est-ce que l'intérieur a une bonne taille? L'homme, on le choisit parce qu'il a une voiture. Parce qu'il a des moyens. Mais est-ce que le corps de l'homme a une voiture? Au moment où tu seras seul, il va te conduire jusqu'à ta souffrance. Est-ce que tu as choisi par les papiers? Est-ce que le cœur de cet homme a un papier? Pour te permettre de garder le vrai papier qui est le royaume des cieux. C'est un problème du choix. Merci, apôtre. Je ne sais pas si vous... Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Je vous en prie. Merci beaucoup. Mot de la fin pour aujourd'hui. Je m'appelle l'apôtre Ndanou. Que la grâce et la faveur soient avec vous. La bonne nouvelle que nous avons sur vous, c'est que Laban a imposé Léa. Léa avait les yeux délicat, c'est-à-dire mis sous 5 heures. À quoi balater parce que c'est un lingo. Il y a Jacob, mais Léa, le père, a pris Léa à cotisier dans Ndakou. Il y a Jacob. Jacob a bimine un bouton, mon tongue a dit non, ça, c'est pas la femme que j'avais voulu. Donc, nous avons compris, pour arriver dans la chambre de Jacob, il faut que Laban, le père, le cœur du père nous impose. Dieu va imposer de ses enfants, Dieu impose ses élus. Il impose parce que c'est son cœur. Le cœur du roi ou le cœur du père vous impose dans votre futur. Je suis sur plus 243 99 48 597. Je dis plus 243 99 48 597. Que la grâce soit sur vous. Merci. Merci, c'est pas fini. Apôtre, rendez-vous avec le tatouage. Je vous en prie, maman Tiffany. Restez bénis, que le Seigneur nous bénisse. Tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel, car la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et cela ne se fait Dieu nous impose. D'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu nous impose. Voilà. Dieu t'impose, maman Tiffany. Amen, 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 amen. Vraiment, papa Guy, là-bas, là, que la volonté de Dieu vous impose. Yes. Voilà.
Et j'ai dit aussi à ma sœur Nekab que la volonté de Dieu vous impose. Yes. Soyez bénis, maman Fouratabou, depuis les Issa, Alain Kiakala, Jira Mokwa, Clara, papa n'a souvé. À la prochaine. Ciao. Non, y'a ma kiti, n'a ma mesa. Ah, Atania ou Kondoko, n'a mon aïo, n'a chayo n'a mouamba. La minute on a 4 à Bena Katika, ça c'est à vous. Oui, allô, est-ce que tu es bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau, on a travaillé tes micros. Donc, dès que tu as un épisode, galère à niveau zéro. Tout ça, la boue. Moi, je suis un bon vraiment mingité. Mais je suis un bon moment, je suis un bon moment, je suis un bon moment, Nazareth. Sarita qui dit sérieux! Oh! Maman, comment est-ce que tu as un bon moment? Tu as un bon moment, tu as un bon moment, tu as un bon moment. Je suis un Scotty. Agence, moi, il faut un ami comme moi, Nazareth. Na kufie! Agence, les sous-sous! Nous sommes en train de nous faire. Hey, maman Nazareth, Tanzamba Pambola, Yabaxi Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tuzawa, Potoye, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été située au Bungate, Toza Sir, Avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face, na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent, d'école. Déjà, vous en avez un trois numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth! Vous allez la combo ici. Julia! Vous allez la canguisse qui a foufou. Il y a modé, il m'a dit qu'il a foufou. Oui! Pour la Nazareth! Tu as un système en bimbi, dans mon machingo. Bon, ok. Vous allez si bien. Ça, c'est du sérieux. Azamwa na moto de bo akosangai. Abongwa ni pete bo awangata. Zambe ya le Nazarien. Le Nazarien. Le Nazarien. Sangai abangwa ni pete.